Ouais, salut, c'est Aurel. Comment allez-vous? Moi, ça va très bien. On est parti pour une nouvelle expérience sociale. Ma première expérience sociale 4. Alors, ça va être quoi aujourd'hui? Eh ben, ça va être de la barbe, comme d'habitude. J'ai une barbe un peu fat. Pas ouf, c'est pas non plus la barbe d'Anis. Toutefois, je dois la couper pour un rôle et on va en profiter pour faire une nouvelle expérience sociale. Anis Rally, Jérôme Niel, Monsieur Poulpe. C'est parti! Tadam! Mon pote Anis, lui, son but dans la vie, c'est que tout le monde a la même barbe que lui. Et il déteste quand je me rase, vous l'aurez compris. Je t'ai rasé. Du coup, lui, c'est le seul que j'ai prévenu. Je lui ai envoyé un petit message avant pour lui dire que je m'étais rasé. Pour le préparer psychologiquement, parce que je voudrais pas qu'il soit fâché. Je déteste quand il est fâché, Anis, ça me rend triste. Voilà, Anis, justement. Salut, Anis. Oh non, pas toi. Non, je veux pas voir. Mais je t'avais prévenu. Casse-toi. T'avais prévenu que je m'étais rasé. Le sketch pour lequel je dois me raser, je joue pas seulement dedans, je le réalise. Et quand tu réalises, on te sollicite beaucoup sur un plateau, t'es assez occupé. Et ça va être compliqué de faire une vidéo en même temps, mais on va essayer. Parce que c'est Julie, l'assistante réelle, on va aller voir si elle se rend compte de quelque chose. Ça va Julie? Tu remarques rien? Bah t'es en train de faire un truc perso alors qu'on est en plein tournage. C'est une expérience sociale. Nous on se fait chier à lancer tes trucs et à voir les comédiens. T'as pas remarqué Je vous l'avais dit, ça va être compliqué. Coucou Anis! Oh non, vas-y, casse-toi, je t'ai dit déjà! Arrête ta vie, t'es. Je t'ai envoyé un texto! Ah, c'est pas vrai! J'aime pas quand Anis il est fâché. Donc là, c'est la pause déj, je vais peut-être réussir un peu plus à faire la vidéo. Y'a Jérôme qui est là, on va voir s'il s'est rendu compte que je me suis rasé. T'as rien remarqué? Tu tournes une vidéo là? Alors c'est toi qui réalises le sketch? Ouais. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, enculé, va! Non, c'est moi qui fais. J'arrive. Ça va, Poulpe? Ouais. Tu remarques rien? Mais tu fais une vidéo là? Ouais. Ah, mais non, mais là, c'est. N'importe quoi là! Bon là on est sur le tournage d'une autre scène, comme vous pouvez le constater. Je vais pas retenter le coup de l'expérience sociale, hein, vous m'en voudrez pas. A priori c'est ultra mal vu de tourner un vlog sur un tournage, vous avez vu c'est hyper dangereux, je savais pas à quel point c'était dangereux mais c'est chaud. On va juste faire une petite surprise à Anis, parce que je supporte pas quand il est fâché, ça me met vraiment pas bien. J'ai une petite idée, j'ai trouvé une solution pour le reconquérir, on va aller voir si c'est possible. On va aller voir la maquilleuse Annaëlle. Est-ce que tant qu'à faire, tu peux me poser une grosse barbe? C'est pour être pro, c'est pas du tout pour reconquérir Anis. Merci. Anis? Non mec, je t'ai dit que j'avais pas envie de voir ta tête. C'est bon. Non mais là tu peux me regarder. Viens, on va sur le tournage. Tu peux me regarder, non, attends. J'aime pas ta tête sans barbe. C'est quoi ça? Ça y est mec. On est frères. Yes. Mais voilà, c'est simple. Mais c'est ça depuis le début. Voilà, c'est ça que tu voulais. Regardez comment il est beau gosse. Yes. Je crois qu'il est temps de se barrer, il est temps de vous dire au revoir. On aura encore appris plein de trucs dans l'expérience sociale. Oh putain, je vous mets le lien vers le court-métrage qu'on a tourné aujourd'hui. Je me suis donné de ouf, j'espère que vous allez kiffer. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, alors abonnez-vous, gros bisous et à très vite.